Ok, salut les petits potes, j'espère vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va très très bien les amis. Juste avant que cette vidéo commence, je t'invite à liker cette vidéo, ça te prend une petite seconde et ça m'aide énormément. Donc les gars, si la vidéo vous a aidé et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'aider aussi en retour. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, les gars, les 80 000 abonnés, ils sont très bientôt. On vient de passer la barre des 79 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à tous m'exploser cette barre d'abonnement. On va chercher ces 80 000 abonnés, surtout qu'après il y a les 100 000. Bref, je vous ai sorti une vidéo hier, les amis, pour vous expliquer comment avoir certains Pokémon au Shiny. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle vidéo, les gars. Est-ce que c'est possible d'obtenir les 4 légendaires du jeu? Donc, par exemple, le légendaire que j'utilise actuellement, Chongqing, Yu-Yu, je crois, ou Yu-Yu, je sais plus trop comment il s'appelle. Et les deux autres, vous savez, les Pokémon des Sanctuaires, est-ce que c'est possible de les avoir en Shiny? Est-ce que c'est possible de les générer, les gars? Ça serait incroyable qu'on puisse générer ces Pokémon en Shiny. Et bah écoute, c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite, les amis. Et si je réussis, de votre côté, vous pouvez réussir aussi. Les amis, comme d'habitude, vous avez le lien du live pour générer les Pokémon en description. Ce que vous voyez à droite de mon écran, c'est les commentaires sur le live de Mitsuki. Donc le live est en description, vous cliquez dessus. Vous devez mettre, première chose, vous devez mettre un code, les amis. Donc le point d'exclamation, c'est le code, et vous devez mettre un code. Alors, je vous ai déjà sorti une vidéo il y a quelques jours pour vous montrer comment générer des Pokémon. Ce que je vous ai pas forcément dit, c'est essayer de mettre un code vraiment rare. C'est-à-dire, moi je vais mettre 75, 72, 60, voilà, tac, en point, tac, et on va mettre 45... 49, là tu vois 75, 72, 45, 49, à mon avis personne d'autre mettra un code comme ça, tu vois, il y a 600, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes en attente, et quand c'est à votre tour, le souci c'est que, bah en fait le bot, il met le code, et il n'y a pas de salle en fait, que tu te rejoins pas sur une salle, en fait ça marque recherche, recherche dresseur trouvé pour l'échange, et en fait, bah si tu mets un code trop simple, le bot il va tomber avec une personne inconnue avant toi. Tu vois, il va tomber avec un mec online avant toi. Et c'est le mec online qui va te voler ton Pokémon. Si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça les gars, faut mettre un code à... Bah voilà, un code où vous êtes sûr que personne va le mettre, tu vois. Donc moi je mets ce code là, j'envoie les gars. Donc là ça va me dire, Orihimer, your... Attendez, tac tac tac. Code is not saved. Donc ton code a été sauvegardé. Donc pour moi c'est bon. Et du coup, on va faire la commande et on va voir si le bot, il accepte ma commande ou pas. Est-ce qu'il va dire oui, c'est possible ou non, justement, c'est pas possible. On va demander le Pokémon que j'ai, donc Chongqing. Donc celui-là, les gars, attendez, il est où? Il est là. Celui-là, les gars, en Shiny, est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? Je sais pas à quoi il ressemble. Mais c'est ça qui va être drôle. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Donc, point d'exclamation, trade, SB. Donc, comme écarlate et violet. Mais en anglais, request Chongqing, il s'appelle en anglais, les gars, Chongqing. Is shiny, vous mettez yes, parce que c'est quand même le but de l'avoir en shiny. Moi, je l'ai mis level 60, parce qu'on peut l'avoir level 60, on le capture, regarde, et je l'ai eu niveau 60. Et langage français. Et ben, on envoie. Attends, il faut que j'attende encore une petite minute avant d'envoyer, parce que c'est 2 minutes quoi, entre chaque message pour envoyer votre message. Donc, je vais attendre 1 minute. Ok, ça fait plus d'une minute que j'attends. J'ai tellement peur, les gars, s'il accepte pas, en fait, l'échange, les gars, bah du coup, il n'y aura pas de vidéo. Si cette vidéo a lieu, les gars, c'est que le bot, il accepte de m'envoyer ce légendaire shiny. Allez, ça veut dire quoi? You are trade. Regardez, your trade ou un échange est bien accepté, les gars. Mon échange a bien été accepté, les amis. Incroyable! Donc, il est possible de générer les 4 Pokémon shiny et que les bots vous les échangent. Alors, par contre, c'est une chose très importante, les gars. Très, très importante. Vous me l'avez dit lors de la précédente vidéo. Il y a énormément de monde qui essaie de générer ces Pokémon. Vous êtes plus de 500 sur le live tous les jours, constamment. Et regardez, vous faites le point d'exclamation que, les amis. Point d'exclamation que dans le chat. Donc là, il faut que j'attende encore 1 minute. Donc on va attendre 1 minute de plus. Donc les amis, quand vous faites le point d'exclamation que, les gars, ça me vous dit en fait combien il vous reste de temps à attendre. Et là, je suis le 649e personne. Et en position... Enfin non, il y a 649 personnes et je suis à 639 sur 649. Il me reste 4 heures et 15 minutes à attendre pour avoir ce légendaire shiny. Donc je pense qu'on va attendre ces 4 heures, les gars. Et dans 4 heures, on se retrouve pour récupérer le légendaire shiny. Les gars, j'ai trop hâte de fou en fait. Allez, à tout de suite, à tout à l'heure pour finir cette vidéo. Les amis, ça fait plus de 4 heures que cette vidéo a commencé, les gars. Normalement, on arrive enfin à la récompense, enfin à notre Pokémon.
Donc normalement si je fais le point d'exclamation que les gars, le bot va me dire il me reste combien de temps? Il me reste 5 minutes et 36 secondes et je suis le 14e sur la liste. Donc très important les gars, tac tac tac. Ah regardez les gars, j'ai reçu le message Eurogamer, tu as, please too tard, tu as 60 secondes pour match avec moi. Donc les gars c'est parti, je lance l'échange et normalement j'ai 60 secondes pour matcher, donc rejoindre du coup... Le bot, les amis, j'espère que ça va fonctionner. Hein. J'ai très très peur, les gars. Ça fait 4 heures, j'attends. J'ai hyper peur. Le code, c'est bien 75, 72, 45, 49, les gars. Recherche de partenaire d'échange réussi. Les gars, j'ai trouvé quelqu'un. Est-ce que déjà, c'est le bot? Est-ce que je vais avoir le bon Pokémon, le légendaire? C'est bien Mitsuki, les gars, regardez. Je suis bien tombé sur Mitsuki. J'envoie au Cormelet. Et normalement, je suis censé avoir le légendaire. Est-ce qu'il va être shiny? Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Échanger. Donc vous avez vu les gars, c'est bien le Pokémon que j'ai demandé. Par contre il est shiny là, je crois, hein. Je suis pas sûr. Il a pas des couleurs de fou. Ça tombe, il est pas shiny, je sais pas. Ok les gars, ok ok. Je récupère le légendaire pour un petit contre un petit Gourmelet au bout de 4 heures d'attente. Mais ça vaut le coup les gars. Si vous voulez des Pokémon shiny les gars, voilà, si vous voulez récupérer n'importe quel Pokémon shiny, n'hésitez pas, du coup, vous avez vu que ça fonctionne, il n'y a pas de souci, c'est juste très très long, les gars. Mais est-ce qu'il est shiny, les gars? Attendez, faut que je regarde, les gars, faut que je regarde de fou. J'arrive pas à voir réellement à me visualiser qu'il est shiny. Je sais pas, ça se... Il n'y a pas de différence de fou. Alors, les gars, l'ordre vérité, tac, résumé. Non, il est pas shiny, hein. Bon, du coup, les gars, faites-vous pas avoir, hein, du coup. Il est possible, du coup, de récupérer les légendaires, que ce soit Coraidon, Miraidon ou les 4 des Pokémon des Sanctuaires. Mais du coup, vu que c'est des Pokémon qui sont pas encore sortis officiellement, que leur version shiny n'existe pas encore pour l'instant dans le jeu, je pense que pour l'instant, on peut pas les demander en shiny. Du coup, j'ai quand même attendu 4 heures pour avoir, du coup, mon Pokémon non shiny. Bon, je suis un peu déçu. Mais voilà, vous pouvez obtenir quand même les légendaires. Donc, si vous voulez un Coraidon, un Miraidon... vous pouvez le demander. En tout cas, j'espère que cette vidéo, les gars, vous aura plu. Puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, les gars. Ciao!